Là, je suis énervé. Là, on va y arriver direct. Voilà, là, je perds plus une seconde. Allez, on arrête de déconner maintenant. Alors je dis ça, j'ai failli tomber. Tiens, il y a des pièces en dessous. C'est une vie là-bas, non? Je sais pas, c'est bizarre. Je vais me déconcentrer maintenant, c'est pas le moment. Waouh, j'ai eu peur là. Enfin. Enfin, on a réussi. J'ai bien cru ne pas l'avoir celui-ci quand même. Après, il y a des parcours avec lesquels on accroche et d'autres avec lesquels on a tellement de difficultés. Alors, jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on en est? Pour Rico, il me semble qu'on a fait toutes les étoiles. Ouais. Les étoiles, ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Bah là, on est en train. Et après, c'est le parc Pina. Le parc Pina, on a tout fait aussi. L'aéroport. L'aéroport, on en a eu qu'un. Ok, il nous manque un parcours. Il nous manque un parcours encore, je sais c'est lequel. C'est vrai que j'y ai jamais mis les pieds encore. Mystérieux hôtel Delfino. On a jusqu'à 40 pour y arriver. Je pense que ça devrait le faire en 20 minutes. Apparemment, c'est un parcours qui est long. Ah, mon cher Mario, par ici, je vous en prie. Allons, allons, ne lambinez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est quoi le nom du truc? C'est Mystérieux Hôtel Delfino. Pourquoi Mystérieux Hôtel Delfino? Il est où le soleil? Déjà, faut voir le bon côté des choses. Je peux monter maintenant. Je me demande s'il y a encore des bouts à la place des pièces. Ok, donc c'est ici. Et si je me souviens bien, donc en fait là faut passer là-haut, pour passer là-haut, voilà, faut passer comme ça. Là il y a une pièce bleue. Il me semble qu'on va pas pouvoir passer partout si on n'a pas Yoshi. Il faut que je trouve un ananas.
Ah mince, je n'avais pas vu. Là, il y a un trou. D'accord, et on tombe ici. Ah ouais, on voit même pas le trou. Bon alors, notre objectif, ça va être de trouver un ananas. Je veux un ananas. You, aidez-moi. Toc toc, avez-vous un ananas dans votre chambre? Bon alors, ça sert à rien, je pense que ils vont tous être comme ça. Ici, il a quoi, lui? Mais toi, t'as pas de fruits, t'es nul. Puis ici, il n'y a pas de fruits non plus. Ah si, bien sûr. Ici, il y a des fruits, mais sauf celui... Enfin, il y a tous les fruits du monde, sauf celui dont on a besoin. Qu'est-ce que tu me dis? Hi, que faites-vous ici? Les toilettes pour hommes sont de l'autre côté. Il n'y a rien du tout. Oui, arrête de râler. Je pensais pourtant que c'était un hôtel 4 étoiles, mais quand même, des fuites dans les toilettes. Le monde perd ses valeurs ou quoi? Elles sont où les fuites dans les toilettes? Ah, c'est ici. Et c'est ici qu'on peut passer. Voilà. Ensuite, ici, il faut parler à cette dame. Tous ces tags ne me disent rien qui vaille, mais tu sais ce qui peut être encore plus terrifiant, c'est imaginer comment tu es arrivé ici. Voilà, il me semble que maintenant, voilà, je peux traverser comme ça. Avant ça, j'aimerais bien voir ce qu'il y a là-haut. Ok. Donc là, déjà, on est dans une salle dans laquelle on n'avait pas accès avant. Eh, c'est un incel. Se pourrait-il que ce soit un soleil? Non, c'était là. C'était où? Non, arrête. Du coup, on va là. Là, il y a les gamins qui courent partout. Oh mon dieu, un fantôme. Non, mais je veux voir. Arrêtez de me bloquer la caméra. Arrêtez de courir comme ça et parlez-moi. Hic. D'accord, tu dis hic. Et toi, tu dis hic aussi ou pas? Et soudain, un fantôme est sorti du placard. Ok. Là, faut faire comme ça. Là, ensuite ici, qu'est-ce qu'il y a? On n'a toujours pas trouvé notre ananas. Fais quelque chose, j'ai trop peur de ce fantôme. Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre d'abord? Nous voilà ici. Attends un instant, d'où est-ce que tu sors? Je vais appeler à l'aide si tu ne pars pas vite. J'entends des fantômes. Où est-ce que je l'ai posé au fait? Eh, hey, t'aurais pas aperçu un ananas dans le coin? Ça nous permet d'aller ici, de récupérer une pièce bleue. Et si je saute ici?
Alors, le monsieur a perdu un ananas. Je pense que c'est l'ananas qu'on cherche. Ah ben le voilà. Oh, il y en a deux même. Comment ça se fait? Et comment je vais faire pour monter avec l'ananas tout en haut? Est-ce que je peux le balancer là-bas? Faudrait que j'arrive à le lancer en haut. Ouais, sans que tu retombes, évidemment. Parce que moi, je peux remonter comme ça, au pire des cas, c'est pas rien grave. Oh là là. Je crois que je suis coincé, non? On va refaire le chemin. En espérant que le truc ne disparaisse pas, parce que sinon... Enfin, que l'ananas ne disparaisse pas. Alors, faut aller dans les toilettes, le tableau, le placard, puis les plateformes en fantôme. Ensuite, l'armoire. Une fois qu'on est... Oh, il a disparu. Il n'y a pas moyen que je passe là. Hein. Ah ben non, il n'y a pas moyen, ça, c'est pas possible. Et est-ce que je peux sortir avec? Bah oui, je peux sortir avec. Pourquoi je me prends la tête en fait? Aussi simple que ça. Bon, et je vais faire le chemin avec lui parce que là où je devais aller, arrête de me pousser. Ah, on peut carrément avaler les bouts. Ah, je peux pas sortir. Ah, du coup, j'en profitais pour arpenter. Autant en profiter, hein. De toute façon, maintenant on est invincible ici. Voilà, puis je pense qu'il faut aller ici. Ah non, même pas. Je peux pas remonter. Ah zut. Alors il faut que j'aille sur le truc central. D'accord. Mais arrête. Mais Yoshi est coincé. Comment je fais pour aller au milieu par contre?